Good Evening Business, l'invité. 19h18 sur BFM Business. Bah, cette heure-ci, tout à l'heure, tous les soirs, ça sera notre deuxième invité. Ça sera votre invité, ça sera votre coup de cœur, Audrey. Dites-nous tout. C'est ça, Guillaume. Alors, en cette rentrée un peu morose, j'ai voulu mettre en lumière une entreprise française qui facilite les rassemblements, les rencontres humaines et le partage. Et il me semble qu'on en a bien besoin. Avec un fondateur qui s'intéresse au sujet RSE par conviction et pas pour la promotion, qui score un taux de croissance de folie avec un chiffre d'affaires qui donne le tournis, 250 millions d'euros. Cette PME innovante, elle s'appelle WizEvent. Elle est au cœur de l'actualité puisqu'elle accompagne notamment le festival Rock en Seine qui commence demain dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir, Pierre-Henri de Ballon. Bonsoir, merci de votre invitation. Comment ça se présente cette édition Rock en Seine 2022 ? Eh ben, ça se présente bien, les chiffres sont plutôt bons. Là, je parle à la place de l'organisateur, mais en tout cas pour nous, c'est un des gros événements de l'année. Et puis ça vient marquer la fin de la saison parce que tout l'été, nos équipes ont été dans toute l'Europe sur les plus grands événements. Et c'est chaque année un des événements qui marque un peu la fin de la saison des festivals. Et un retour en force, il n'y a pas eu d'édition 2021, si exactement. Je ne me trompe. Voilà, absolument. Donc, grosse édition, un beau défi pour nos équipes, parce qu'on va déployer tout le contrôle d'accès aux entrées et puis à l'intérieur du site, toutes les zones VIP, toutes les zones de backstage et ainsi de suite, et puis toutes les solutions de paiement, donc toutes les personnes qui vont payer pour acheter des boissons. Alors, racontez-nous justement comment elle fonctionne, votre technologie. Alors, c'est une technologie, en fait, qui va permettre aux festivaliers, avant le festival, de recharger de l'argent. Au moment où ils achètent leur billet, ils vont pouvoir dire « je veux mettre 30 euros ». Et lorsqu'ils vont arriver à l'entrée de l'événement, on va scanner leur billet et ces 30 euros vont être remis sur un bracelet. Et ce bracelet va servir à payer les consommations, mais aussi pour le contrôle d'accès. C'est-à-dire que quand ils reviendront le lendemain, on va scanner ce bracelet. C'est ce bracelet qui leur permet d'entrer. Donc ça sert pour le contrôle d'accès et puis pour payer. Et puis pendant le festival, ils peuvent recharger avec leur téléphone portable ou directement dans un des points de qu'on appelle des banques où ils vont pouvoir payer en carte bancaire et remettre de l'argent dessus. Et cette solution, on l'a lancée il y a maintenant 6 ans et on équipe les plus grands événements en Europe. Donc on a fait le Paléo en Suisse, qui est un des plus gros festivals européens, Boomtown en Angleterre, Tomorrowland, on était sur des événements en Espagne, donc dans toute l'Europe, avec cette année pour nous un vrai défi qui a été l'internationalisation, parce que pendant le Covid, on a fait le choix d'aller racheter un concurrent belge, et on est passé d'une société qui faisait 80%, 90% de son chiffre d'affaires en France, à une société qui cette année va faire à peu près 50% à l'étranger. Je parlais tout à l'heure. Alors, quand on vous écoute comme ça, on a l'impression que ça a été facile, mais avant de rentrer dans le détail justement des chiffres et de parler des tendances de votre secteur qui s'est par ailleurs structuré ces dernières années, j'aimerais que l'on parle de vous rapidement parce que vous êtes un peu l'exemple probant qui démontre que parfois la meilleure manière de trouver le job de ses rêves, c'est de le créer, puisque quand vous avez eu cette idée folle de créer votre société, vous aviez un job que vous n'aimez pas particulièrement, pas d'argent, pas de réseau particulier, et pourtant vous avez foncé billes en tête et ça a marché, mais ça n'a pas été un parcours qui n'a pas été... C'était un long chemin, On a souvent l'image de la start-up où on a même l'idée, parfois l'image de « Ah, j'ai une super idée », puis d'un coup ça fonctionne et on devient riche, un peu la caricature de l'entrepreneuriat. Et c'est pas ça. Et non, ça a duré 15 ans. Pendant les 5 premières années, on a cru pas mal de fois qu'on allait arrêter, et puis finalement, à force d'épreuves, de succès, on a réussi à avancer. La force, je pense que c'est toutes les équipes qui nous ont appuyés, mon fondateur aussi, mon cofondateur, et on a réussi à avancer, et puis on avait aussi cette culture familiale, parce que mon père est entrepreneur, le père de Sébastien est entrepreneur, donc on baignait dedans et donc c'était finalement assez naturel pour nous de créer un projet, de le porter, mais ça a été un long chemin et puis c'est un chemin qui est aussi un peu atypique par rapport à ce qu'on imagine des startups, beaucoup de levées de fonds et ainsi de suite. On a levé très peu de fonds et on a très vite été rentable et parce qu'on s'est mis dans cette culture aussi d'essayer de gagner un euro et de le dépenser. Le secteur du divertissement, alors vous nous le confirmez, alors vous le disiez, on est sur des taux de profit très très faibles. C'est l'industrie en convalescence et récemment, vous disiez, on a peur de se retrouver confronté à une crise de l'offre. Ça veut dire quoi, ça, concrètement ? Voilà, la crainte qu'on a eue, et ça, c'était notamment quand le Covid est arrivé, c'était de se dire, finalement, nous, WizEvent, on a des finances saines et donc on est capable de tenir pendant un an. Mais si nos clients... Combien d'événements vous organisez tous les ans ? 50 000 à peu près. 50 000, 50 000 événements passent par notre solution, parce qu'à l'origine, on est une solution de billetterie. C'est-à-dire qu'on permet à des organisateurs de n'importe quelle taille de créer une billetterie pour vendre des billets. Et donc ça, c'est 50 000 événements qui utilisent notre plateforme pour vendre des billets. Donc ça va de tout petits événements aux plus gros qu'on a pu citer. Et donc, notre crainte, c'était que ces petits organisateurs, ces associations, elles ne passent pas la vague du Covid. C'est ça. Et la chance qu'on a eue, et notamment en France, c'est que malgré tout, le gouvernement a vraiment bien joué le jeu et a soutenu la filière, ce qui a permis cette reprise assez folle. Et tout à l'heure, vous disiez, les chiffres sont probants et tout, mais l'été était très dur. Et je voulais tirer un coup de chapeau aux équipes parce qu'on leur a demandé beaucoup d'aller dans des nouveaux pays, de composer avec des difficultés d'approvisionnement.
Les puces dont je parlais, elles viennent toutes de Chine, bien sûr, avec bien la crise bien qu'on a connue, l'Ukraine et ainsi de suite. Et puis l'inflation dont on a parlé, qui a impacté les organisateurs et des équipes nouvelles. Parce qu'en janvier, on l'a oublié, mais en janvier, on ne savait pas s'il y aurait des événements cet été. Ouais, oui. Et donc on était un petit peu en hibernation et d'un coup, il faut. C'est vrai que vous nous ramenez 6 mois en arrière, machine. Mais c'est vrai qu'en janvier, on ne savait pas trop où on allait encore, finalement. Mais vous parliez de levée de fonds. Alors justement, dans un monde d'hyper-croissance, où on ne parle que de méga levée de fonds, parfois même avant de parler du produit, vous, Pierre-Henri de Ballon, vous êtes un peu un dissident, et c'est aussi probablement ça qui m'a plu dans votre profil. C'est-à-dire que vous vous dites non, la bataille de la levée de fonds, nous on la fera pas, on va être rentable, on va être profitable, mais surtout on va être libre. Comment est-ce que vous avez fait évoluer votre modèle économique justement vers cette liberté ? Il y a deux choses. Il y a une raison initiale, c'est qu'on a eu du mal à lever des fonds. Au début, on voulait lever des fonds. Donc aussi naturellement, on s'est converti à une autre approche qui était de dire il faut qu'on soit rentable et être libre. Et en fait, l'entrepreneuriat, malgré tout, c'est un chemin de liberté. C'est choisir son produit, choisir le secteur dans lequel on travaille, créer, tout à l'heure, vous disiez, vous avez créé votre emploi, c'est un peu ça. Mais cette liberté, vous la gardez si vous avez la liberté aussi financière. Quand pendant le Covid, on entre dans le Covid, on a cette inquiétude de se dire le secteur est frappé de plein fouet, mais on avait la sécurité de se dire, parce qu'on a bien géré, on est en capacité d'aller racheter des concurrents, de garder les salariés et de capitaliser pour la suite. Et c'est cette liberté-là, finalement, qui est importante. Et au fond, l'entreprise, c'est un jeu. C'est-à-dire que vous avez une ressource et il faut créer plus. Et donc, ce jeu, il est d'autant plus passionnant quand vous avez cette règle-là. Mais si demain, on me donnait X milliers, millions d'euros, le jeu est un peu différent. Parce que le sujet, c'est finalement d'aller faire du chiffre d'affaires. Et on l'a vu dans notre secteur. Aujourd'hui, il y a deux sociétés. Aujourd'hui même, il y a une société qui est en liquidation judiciaire. Très grosse société, fondée par des Français qui étaient à Londres, qui avaient levé des centaines de millions. Et on voit qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de s'inverser. La fin des levées de fonds, le marché était complètement saturé. Et on revient à une forme de réalité qui est acheter des clients, c'est une chose. Mais derrière, si le modèle ne permet pas d'être rentable, c'est compliqué. Justement, votre modèle économique au sortir du Covid et au sortir de cette guerre qui a peut-être des conséquences sur votre modèle, c'est quoi aujourd'hui votre modèle économique ? Comment on s'adapte ? Parce que le Covid nous a fait subir, c'est l'aléa tout simplement. Alors on s'adapte. Le but du jeu, c'est d'être le plus pragmatique possible. Ouais. C'était d'essayer à chaque fois, en fonction de chacun des soubresauts, de s'adapter. Parce qu'il y a eu des phases de confinement, des phases de reprise, d'arrêt. Et donc c'était de garder le plus de souplesse possible. Et surtout de se dire, à un moment donné, moi j'avais cette conviction, que je pense que c'est aussi l'état d'esprit d'un entrepreneur, d'être très positif, de dire ça va se terminer. Et donc on a été dans une construction permanente de se dire, il faut qu'on soit prêt pour la reprise. Il faut qu'on soit capable de relancer la machine, ce qui a été difficile. On n'a pas tout réussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit on ne pourra plus tenir des concerts en plein air comme à la grande époque, comme à l'époque d'avant ? Est-ce que vous vous êtes posé ce genre de question ? Est-ce que vous vous la posez aujourd'hui encore finalement ? Non, on a toujours cette épée de Damoclès en haut de la tête, mais je ne me suis jamais dit qu'on n'aurait plus d'événements. Et surtout, je pense que ça a aussi montré le besoin qu'avaient les gens de se rencontrer. Vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de se rencontrer, de faire la fête. Et du coup, cet été, les organisateurs et les événements ont globalement fait le plein dans des conditions difficiles parce qu'on a évoqué l'inflation et les impacts. Les coûts de production étaient très élevés, difficiles. Mais on a des événements qui, globalement, ont duré plus longtemps. Les organisateurs ont augmenté la durée avec des jauges plus fortes et puis avec des taux de remplissage quand même relativement élevés. Oui. Et donc, ce qui montre qu'il y avait quand même un vrai souhait de retour pour le public. Actuellement, avec les impacts de l'inflation pour les consommateurs, on sent que les achats se font un petit peu plus tard, un peu plus en dernière minute. Ça, ouais. Sur les derniers événements, on voit que... Ça vous fait peur, ça ? Est-ce que vous pensez qu'avec la crise qui va s'amplifier, vous allez justement... Ça m'inquiète pour nos clients, oui. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que nos clients soient impactés et qu'à un moment donné, ils soient dans des difficultés. On a vu certains festivals cet été qui sont pas très loin du dépôt de bilan. Bah, pour nous, c'est une inquiétude qu'on a. Et donc, on a fait un choix fort aussi qui a été de dire on n'augmente pas nos prix. Nos coûts de production ont augmenté, les salaires ont augmenté. Vous avez réduit vos marges. On a réduit nos marges parce qu'on s'est dit aussi que c'était une façon de soutenir la filière et puis parce que c'était un acte fort qu'on voulait faire par rapport à des concurrents qui avaient d'autres arbitrages. En tout cas, on a fait le choix fort de les soutenir. Et si on parle justement de la filière et du secteur en général, ces deux années de tunnel sanitaire, elles ont justement créé évidemment des nouvelles attentes des consommateurs. Ces nouvelles attentes, elles ont été couplées à une digitalisation évidemment accélérée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'enjeu aujourd'hui n'est plus de choisir entre une expérience en ligne ou présentielle, mais vraiment de proposer le bon mix qui répond aux objectifs de communication, d'engagement des publics ? Alors, il y a eu cette vague très forte des événements à distance, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Là, on voit un retour très, très, très fort des événements sur le terrain, en présentiel. Et d'ailleurs, les sociétés qui ont fait le choix d'investir massivement sur des solutions complètement digitalisées, aujourd'hui, sont un peu en difficulté parce qu'elles ont eu une très forte croissance pendant 9 mois, 12 mois, 18 mois, très forte. Et aujourd'hui, ils ont des clients qui disent « Bon, bah, maintenant qu'on peut se voir, en fait, nos équipes de direction veulent qu'on se rencontre. » Bien sûr, mais est-ce que la digitalisation aujourd'hui, que ce soit les interactions online, le teasing sur les réseaux sociaux, les tokens interactifs,
les systèmes parallèles qui viennent justement aujourd'hui permettre d'augmenter les rencontres et de les nourrir, est-ce que ce n'est pas un plus ? Ça vient enrichir. Ça vient enrichir l'avant, le pendant et aussi l'après-événement. Et d'ailleurs, nos solutions de cachet en font partie, puisque c'est tout un process d'accompagnement durant tout l'événement. Eh ben, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, les festivals sont de retour et ça commence demain, effectivement. C'est Rock en scène. Vous nous pitchez un petit peu le menu, là, les têtes d'affiche. Je ne connais pas bien, mais si, Stromae dimanche soir. Et je crois que demain, c'est Arctic. Il reste des places. Il reste encore des places, je crois, pour dimanche. Mais il y a beaucoup de. On va s'inscrire. On va s'inscrire très, très vite. Merci beaucoup, Pierre-Henri de Ballon. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business. Ben voilà, 19h28, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, Audrey. Merci Guillaume. C'est la première, on se retrouve demain. On parlera notamment de l'état d'esprit dans les open space avec le vice-président délégué de l'ANDRH qui viendra nous voir à 18h20. Et oui, c'est la rentrée aussi pour tout à chacun. Merci Audrey, très bonne soirée. On se retrouve demain dès 18h sur BFM Business. Bonne soirée à tous.